Bonsoir à vous tous, chers amis fidèles de notre temps de prière, par le biais de Facebook et de YouTube. La douleur du confinement a été bénéfique, des différentes manières pour nous tous. En particulier, la continuité de pouvoir se rassembler en prière au-delà de nos murs, de nos églises. Que notre Dieu Tout-Puissant nous bénisse au sein de nos cellules familiales, comme nous sollicitons sa présence avec gratitude. Nous allons débuter ce temps de prière avec le chant Tendre Père. J'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. J'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes, tu m'aides, tu combles ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, éclaire ma vie. Cet esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Cet esprit, tu éclaires Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Nous dit le psaume 16, le verset 7 à 8. Chers amis, confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Ensemble, nous prions. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Ensemble, nous disons
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons réciter ensemble l'hymne Joie et Lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les différentes lectures proposées pour ce temps de prière. Écoutons et méditons sur le psaume 85. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Psaume 86, versets 1 à 17. Seigneur, tends vers moi une oreille attentive. Réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Je suis un de tes fidèles, protège-moi. Je suis ton serviteur, je me fie à toi. Sauve-moi, toi qui es mon Dieu. Je passe mes journées à t'appeler. Seigneur, accorde-moi ton appui. Je me tourne vers toi, Seigneur. Je t'en prie, rends-moi la joie. Toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et généreux pour tous ceux qui t'appellent. Écoute bien ma prière, Seigneur. Sois attentif quand je te supplie. Quand je suis dans la détresse, je t'appelle, car tu me répondras. Parmi les dieux, aucun n'est comme toi. Seigneur, aucun ne pourrait faire ce que tu as fait. Tu as créé toutes les nations. Elles viendront s'incliner devant toi pour t'apporter leur hommage. Seigneur, car tu es grand, tu as fait des merveilles. Tu es le seul vrai Dieu. Seigneur, montre-moi quel chemin je dois suivre. Je veux vivre en te restant fidèle. Mets en moi cette seule préoccupation, rester soumis à ton autorité. Seigneur mon Dieu, je te louerai de tout mon cœur, je t'apporterai mon hommage pour toujours. Ta bonté pour moi est immense, tu m'as arraché au gouffre de la mort. Ô Dieu,
Des insolents se dressent contre moi. J'ai affaire à une bande de brutes qui veulent ma mort. Ils ne tiennent aucun compte de toi. Mais toi, Seigneur, Dieu compatissant et bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté, tourne-toi vers moi. Accorde-moi ton appui. Je suis ton serviteur. Donne-moi ta force. Je t'appartiens. Sauve-moi. Donne-moi un signe que tout ira bien. Honte à ceux qui m'en veulent quand ils verront que toi, Seigneur, tu m'as sauvé et consolé. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme sera éternellement. Amen. Lecture du livre Job, chapitre 33. Maintenant donc, Job, écoute mes discours. Prête l'oreille à toutes mes paroles. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'étais comme toi, formé de la boue. Ainsi mes terreurs ne te troubleront pas. Et mon poids ne saurait t'accabler. Mais tu as dit à mes oreilles, et j'ai entendu le son de tes paroles. Je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi, il met mes pieds dans les septes, il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai quand cela tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme, veux-tu donc disputer avec lui? Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de tourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup de glaive. Pour la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse et sa vie des messagers de la mort. Mais il se trouve pour lui un ange intercesseur. Un d'entre mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière. » Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, « J'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entra pas dans la fosse et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. » Deux fois, trois fois avec l'homme pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Sois attentif, Job, écoute-moi, tais-toi, et je parlerai. Si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle quand je voudrais te donner raison. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Parole du Seigneur.
Romains, chapitre 14, versets 13 à 23. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une prière d'assoupement ou une occasion de suite. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne manges plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilégié ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, ne se détruit pas l'œuvre de Dieu à la vérité. Toutes sortes sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'assoupement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a de doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Parole du Seigneur. Le livre de Job nous parle de la souffrance. La souffrance de Job n'était pas un fait divers, mais elle était à la une de l'actualité de son temps. Le peuple était attentif au développement de cette situation inhabituelle. Inhabituelle car Job était connu comme une personne irréprochable, droit, fidèle à Dieu et se tenait à l'écart du mal. Et pourtant, Job fut soudainement accablé par la souffrance aux multiples. Entouré par le peuple, par compassion ou par la curiosité, et en particulièrement ses trois amis, Eliphaz, Bildad et Sophar, qui au terme d'un long débat argumenté sur la raison de la souffrance de Job. Les amis de Job soutiennent que sa souffrance est une punition de Dieu pour un péché particulier que Job a commis. Bien que Job insiste sur le fait que ce n'est pas le cas, et qu'en fait Dieu est son Rédempteur. Et voilà qu'au milieu de cette assistance, un jeune s'éclata d'indignation devant les propos des amis de Job et de même de celui de Job. La lecture fait référence à un certain Eliou, une manière de dire qu'il n'était pas dans le petit cercle familial ou d'amis de Job. Le jeune Eliou, d'une oreille attentive, avait écouté les argumentations des amis de Job et même de Job de sa manière de se présenter comme pur et sans faute. Je suis pur de tout crime.
mais Dieu trouve encore à me faire des reproches. Il y a un contraste frappant entre la manière d'Éliou et celle de ses trois amis. Les trois amis de Job, qui étaient hyper critiques. Ils étaient mal dans leur peau, comme consolateurs et encore moins comme conseillers. En tant que chrétien, il est souvent plus facile d'être un instrument de remontance envers les autres, au lieu d'être un conseiller, un accompagnateur. Très souvent, comme conseiller, il est plus facile de dire des choses agréables à entendre, dire et faire des choses qui déchargeront la personne concernée de toute responsabilité personnelle. Le jeune Éliou nous donne un exemple comme conseiller et accompagnateur. Éliou agit avec fermeté, pointant du doigt Job lui-même et de même ses amis de leur légèreté d'agir et de penser. Éliou remet en évidence Dieu dans toute sa splendeur devant Job. Quel conseiller de notre temps pourrait dire « Fais silence et je t'enseignerai la sagesse. » Quel personnage haut placé pourrait voir la sagesse dans la personne de son conseiller, ou encore moins dans un des petits de ce monde. Dans le livre de Samuel au chapitre 12, quand le roi David fut confronté de ses fautes par le prophète Nathan, il s'est repenti. Il dit, « Je suis coupable envers le Seigneur et je le reconnais. » Sa vie fut transformée pour toujours. Et avec conviction, il dit à travers le psaume 23, « J'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin des temps. » La réponse de Job au chapitre 40 nous dit, « Je suis peu de choses. Que puis-je te répondre? J'avais osé parler, je ne dirai plus rien. J'avais même insisté, je ne le ferai plus. » L'intervention d'Éliou a été bénéfique pour Job. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que nos dires et nos faire envers les autres sont justes et agréables à notre Dieu? Est-ce que nous pourrons accepter une remontance sévère qui a pour but de nous réhabiliter? Aujourd'hui, nous trouvons l'action positive de pouvoir être là pour soutenir, pour accompagner l'autre. Et c'est cela que notre Dieu nous demande, d'être le soutien de l'autre, d'être clairvoyant, de pouvoir aider l'autre dans son cheminement. Aujourd'hui, le monde a besoin des personnes
pour pouvoir agir comme instrument de grâce et d'amour pour les uns et les autres. L'appel de Dieu est là, présent pour nous tous. Servir à Dieu et servir à les autres. Être à l'écoute de l'autre et de pouvoir être porte-parole de Dieu pour l'autre. Que notre Seigneur bénisse ses paroles et nous bénisse dans notre marche de tous les jours. Amen. Just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day.
Ensemble, nous allons réciter le Magnificat à la page 51. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble des bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles et les siècles. Amen. Nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, et a été crucifié, et mort, et a été enseveli, et descendu aux enfers, le troisième jour, et ressuscité de mort, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre la deuxième série d'invocations à la page 55. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit et la communion de tous tes saints, nous confions les uns aux autres, au Christ, en lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur.
Nous disons la collecte du jour. Tu nous as appris, Seigneur, qu'en t'aimant et en aimant notre prochain, nous gardons tous tes commandements. Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit pour que nous nous consacrions à toi de tout notre cœur et qu'une affection sincère nous unisse. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles et des siècles. Amen. La collecte pour la paix, à la page 56. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance pour que nous te découvrions dans les Écritures et le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Nous allons dire la prière d'action de grâce, la page 58. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles de bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire aussi la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons dire la grâce ensemble. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen.
Chers amis, nous sommes arrivés au terme de ce temps de prière. Je vous souhaite à vous tous une bonne semaine, une bonne continuité dans la présence de notre Dieu et surtout un cœur sincère dans notre marche. Nous allons conclure ce temps de prière avec le chant « Je lève les yeux vers les monts que j'aime ».